Bonjour à tous, à toutes mes copinettes. Alors on reprend cette page-là, on va faire le Verseau. Alors vous vous souvenez, c'était celle-ci. Hein. Hop, on va faire le Verseau. Alors je vais prendre ce motif-là, donc je vais mesurer. Comme d'habitude, vous savez comment on fait, on mesure pas, on fait ça à l'œil, c'est plus, c'est mieux quoi. Voilà. Alors je vais faire deux volets comme ceci et comme ceci, souvent comme ça quoi. Alors, pour faire ces volets, j'ai pris donc comme ça, ça fait 13 et demi. 13 et demi. Alors, je coupe une feuille à 4, je coupe à 13 et demi. Ensuite, je fais la tour dans ce sens-là, je fais un pli à 1 cm. Ensuite, je mets le pli au ras de la page et ensuite je marque là repère du ras de la page et ce qu'il y a en plus je coupe. Voilà. Alors donc ça fait 13 et demi, je veux bien vous le dire, mais je crois que ça, là oui c'est 13 et demi, mais là ça tombe pas juste, donc le mieux c'est de faire comme je vous ai dit. Donc ça fait, bah oui, vous voyez, ça fait quoi? 21,8 sur 21,8. De toute façon, c'est un pli à 1 cm. Hein. Alors, on va coller ça ici. Alors j'ai choisi ces décos pour mettre à l'intérieur des volets. Alors j'ai mis les aimants ici et là. Alors maintenant j'ai collé les feuilles. Donc la feuille de fond et d'ici. Alors voilà ce que ça donne. J'ai donc collé ça, ça et ça. Hop. Maintenant, on va coller le papier déco ici. Alors, je reprends. Je pense que j'avais terminé, j'avais collé ça. Alors, ça, c'est une chute. C'est la suite de ce papier-là. Hein. Vous vous souvenez que... non, c'est plutôt comme ça. Voilà, qu'on avait coupé ça. Alors, j'ai récupéré. Et je vais faire des pochettes comme ça sur le côté en fait. Voilà. Alors je vais vous dire les dimensions. Ça fait 9,5 sur 13,1. Mais bon, vous prendrez le papier noir et vous verrez où ça ira quoi. Vous mesurez par rapport à la feuille. Voilà. Et puis ça, c'est pareil. Alors, j'ai le collé, les trois, comme ça, toc, et là. Alors, on continue. Là, j'ai fait une petite pochette. Voilà. Là aussi. Alors, je rabats les deux. Et ensuite... j'ai pris la grande page. Coucou, me revoilà. Alors, la vidéo avait coupé. Je pense que ça doit être bon. On devait en être là. Alors là, j'ai fait les petites pochettes. Je vous avais pris les mesures tout à l'heure. J'espère que vous les avez. Alors, ces images-là sont au prolongement de cette feuille. Donc là, je vais faire des petites cartes
je vais voir ce qu'il va me rester comme papier. Donc ici, on va mettre ceci. J'ai découpé la feuille avec le joli hérisson. Là, ça viendra là. Et là, je vais détourer le hérisson pour pouvoir mettre un tag ou... Alors, je vous retrouve après quand je l'aurai fait. Alors là, j'ai détouré le hérisson comme ça. Alors maintenant, je vais coller les feuilles. Coucou, me revoilà. Alors voilà, j'ai terminé de décorer la page. Alors, je vous avais dit que j'avais découpé le hérisson. J'ai mis un tag. J'ai découpé ce champignon qui était sur un reste de feuille. Je ne sais plus lequel. Enfin, voilà. Donc, je l'ai collé là. J'ai remis un tag là. Et puis, là, c'est pareil. J'ai découpé ça sur une feuille et ça aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Alors là, je mettrai des cartes par la suite. Je vais voir ce qui me reste. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est pareil. Je mettrai des feuilles. Enfin, je vais voir ce qui me reste. Voilà, page terminée. Je vous rappelle que c'était celle-ci. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour la quatrième page. Enfin, quatrième page. Non, c'est pas... Ça, enfin, je quatrième page... Oula, je m'embrouille. Bon, je laisse tomber. Alors, au revoir mes copinettes.